Venons-en maintenant à la nouvelle banque qui vient renforcer le paysan bancaire burkinabé. Les activités de la Banque agricole du Burkina, BADF, ont été lancées aujourd'hui par le président du FASO, fruit de l'expertise nationale avec des capitaux exclusivement burkinabé. La nouvelle institution financière est dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA. C'est un outil qui servira au financement des activités agricoles. Roger Kam, Ernest Kambiré, reportage. Par cette ouverture de compte, le président du FASO lance officiellement les activités de la Banque agricole du Burkina Faso. Longtemps espérée par les acteurs du monde rural burkinabé, la BADF est aujourd'hui une réalité. Nous pensons qu'avec la venue de cette banque, nous allons pouvoir quand même financer réellement les acteurs du monde rural. Ce que nous souhaitons, c'est que cette banque soit de plus en plus déconcentrée, qu'il y ait des représentations au niveau des provinces et même au niveau des départements à travers des guichets. Nous sommes vraiment très satisfaits et c'est le lieu vraiment de remercier le président du FASO. Fruit de l'expertise nationale avec des capitaux exclusivement burkinabés, la BADF est dotée d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA détenu par l'État burkinabé, ses démembrements par de nombreuses organisations professionnelles du monde rural et des entreprises privées et particuliers burkinabés. Et comme l'indique si bien son objet social, la BADF a pour vocation première d'être la banque de financement de l'agriculture burkinabé qu'elle ambitionne de booster le développement tout en assurant la mécanisation. L'une des vocations de la banque, c'est d'aider notre agriculture à se moderniser. Vous avez cité un aspect important qui est le matériel agricole qu'il faut moderniser. Il faut abandonner la daba et tout ce qui est archaïque pour aller dans la motorisation. Deuxième aspect également, la banque doit aider les paysans à avoir des semences de qualité et à avoir également des facteurs de production de qualité, engrais et autres de qualité. Et bientôt, dans quelques mois, au mois de mai plus précisément, dans 2 mois, l'agence de Bobo, qui est pratiquement terminée, sera également opérationnelle, et l'agence de Dédougou. Loin d'être une simple promesse de campagne électorale sans lendemain, c'est un engagement, une vision politique qui se concrétise. Outil de financement des activités agricoles au Burkina, la BADF se positionne d'ores et déjà comme un véritable instrument pensé par une expertise exclusivement burkinabé pour accélérer l'autofinancement des activités agricoles. C'était un maillon qui manquait pour financer spécifiquement cette partie donc, de l'économie burkinabé. Nous, ce que nous allons faire, c'est de travailler plutôt à l'accompagner, bien sûr en accordant les facilités, en faisant en sorte que la banque puisse mobiliser des ressources concessionnelles pour accompagner le paysan. Le bébé qui vient de naître a tout le soutien des institutions financières ouest-africaines et internationales, comme la BAD qui vient de lui accorder un financement de plus de 6 milliards de francs CFA pour mettre en place une assurance agricole et un système de warrantage pour faciliter l'accès des petits producteurs au crédit ou assurer le remboursement des crédits en cas de survenance de calamités naturelles et autres catastrophes.